Français rêvait d'un besoin existentiel. Qu'est-ce qui nous pousse à quitter nos terres, à traverser les frontières, acharnés qu'ailleurs, la vie est plus belle. On parcourt le monde par mille chemins, chaque matin on est là, à se regarder dans le même train. C'était dur d'y croire, donc on voulait vraiment le voir. Arrivé sur place, les appuis sont dérisoires. Stressé, rejeté, délaissé, attristé, résister. On voudrait juste exister. De quoi raconter à nos gosses qu'on a voyagé, qu'il y a du vécu dans la sacoche. La vérité, si on la fuit en termes, c'est parce qu'elle est moche. On remballe les rêves, on cherche d'abord à remplir les poches. Cependant on a la rage, on s'accroche. Autour de nous, beaucoup de cœurs se sont transformés en roches. Pourquoi chercher ailleurs ce qu'on a de si près, et croire qu'ailleurs les as sont de meilleurs reflets. On rêve les yeux grands ouverts, quand la véracité nous frappe, on sait de se faire. On subsiste, en même temps on espère que tous les écrous de nos illusions se desserrent. On demande juste à y voir plus clair, les yeux rivés au ciel et les pieds sur terre. Le cœur lourd, rempli de déception, de regrets, trop de sacrifices faits pour un putain de souhait. On ne peut reculer car la pente est raide, les larmes de l'âme ont du mal à sécher. Les jours se répètent, on cherche au fond de soi une chose à croire, mais pour beaucoup l'argent a remplacé la foi. C'est lui qui nous loge et qui nous nourrit. Comprend notre choix quand on cravache 28 jours par mois. La fatigue accompagne physiquement, moralement. On partage le même air, une trentaine dans un appartement. On n'a plus le temps de vivre, on n'y pense même pas en fait. On veut juste récolter des sous sur le champ. Regarde ceux qui exploitent leur talent, vendeurs ambulants, les artistes errant dans la rue sous tous les temps. Courez, courez, y'a la police qui arrive. On se remettra en place une fois qu'elle sera partie. Pourquoi chercher ailleurs ce qu'on a de si près, et croire qu'ailleurs les as sont de meilleurs reflets. On rêve les yeux grands ouverts, quand la véracité nous frappe, on sait où se faire. On subsiste, en même temps on espère que tous les écrous de nos illusions se desserrent. On demande juste à y voir plus clair, les yeux rivés au ciel et les pieds sur terre. Être en marge comme être en trop. L'humain est devenu aussi jetable qu'un stylo. Les employeurs profitent de nos cas. Les journées sont de plus en plus longues et les salaires, eux, restent toujours aussi bas. Sans alternative, on adopte ce destin. On serre les poings contre le froid. On voudrait voir la fin, la dure réalité du partage. On concentre les richesses pour les uns et pour les autres. Émerdez-vous dans le besoin. On n'a aucune prétention d'exhiber ses douleurs. Heure après heure, on endure la langueur. On espère être riche avant que l'amour nous emporte. Que les dieux nous écoutent et qu'ils nous laissent pas de la sorte. Malgré la misère, on se réconforte. La volonté d'y croire peu à peu va prendre la porte. Je vous laisse car les tâches s'additionnent. On oublie tout et on repart quand l'alarme du réveil sonne. Qu'on cherche ailleurs ce